Salut les amis, aujourd'hui dans la Villa Pinipomme, je vois quelqu'un au balcon. Il doit être en train d'arroser les plantes. Qu'est-ce que c'est bien d'avoir des amis. Ah là là. Oh, pardon les amis, j'étais en train d'arroser mes plantes. Et puis aujourd'hui, j'ai invité mes amis à la maison. Nous allons jouer, nous allons manger, et nous allons nous amuser. Et j'ai aussi invité une amie de l'école. Elle s'appelle Inès et je l'aime beaucoup. Elle est sympa, très intelligente. Ouf, est-ce qu'elle m'aime bien aussi? C'est une nouvelle qui est arrivée cette semaine. Et comme j'ai invité mes amis, j'en ai profité pour l'inviter aussi. Et vous savez quoi? Elle a accepté. Alors du coup, je suis en train de tout préparer pour que ça soit parfait. C'est pour ça que j'arrose toutes les plantes. Et voilà. Et maintenant, je vais ranger ma chambre. Je vais faire le lit. Voilà. Mettre mes affaires. Sur le porte-manteau. Oups, j'ai laissé la lumière allumée. Et maintenant, le miroir. Mais, il est mal mis. Oh, mince! Qu'est-ce que j'ai fait? Le miroir s'est cassé. Et en plus, on dit que quand un miroir se casse, on a 7 ans de malheur. Oh, mais bon, ce sont des bêtises. Je vais tout ranger plus tard. Je n'ai plus beaucoup de temps et je dois encore prendre une douche avant que tout le monde arrive. Et Inès aussi. Je vais en profiter pour prendre un bain avec plein de mousse. Je vais utiliser ce savon car il fait plein de bulles. Et en plus, il sent super bon. Hop là! Et voilà. Oh oh, qu'est-ce que j'ai encore fait? J'en ai mis partout. J'espère que ce n'est pas le début des 7 années de malheur à cause du miroir cassé. Mais bon, ce sont des bêtises. Je vais m'habiller et préparer le barbecue avant que mes amis arrivent. Il semble que les choses se sont un peu compliquées pour notre ami. Espérons que le barbecue aille mieux. Nous allons mettre du poisson et une côtelette. Ça commence à sentir bon. Ah, quelqu'un a sonné à la porte. Qui ça peut bien être? Il est encore tôt pour que ça soit mes amis. Je vais voir qui c'est grâce à l'interphone. Mais c'est Toby, le chien du voisin qui aime tant manger les fleurs. Les fleurs? Oh non, mes fleurs! Oh non, Toby a mangé les fleurs du balcon. Et en plus, pour me provoquer, il vient sonner à la porte. Quand je vais l'attraper, il va comprendre. Mais qu'est-ce que ça sent? Le barbecue! Ça brûle! Non, non, toute ma viande est brûlée. Notre pauvre ami, ce n'est pas son jour. Il ne lui arrive que des malheurs. Mais dites, ça ne serait pas vrai quand même cette histoire du miroir qui apporte du malheur? J'espère que non. Eh bien voilà, nous n'avons plus de nourriture. La salle de bain est pleine d'eau et de bulles. Je n'ai plus de fleurs sur le balcon. Et mes amis vont arriver d'une minute à l'autre. Que vais-je faire? Oh, je sais. Je viens d'avoir une idée. Je vais utiliser cette poêle et préparer quelque chose de très bon. Voyons ce que j'ai au frigo. Mais il est vide. J'espère que ce miroir cassé ne m'apporte pas tous ces malheurs. Je vais commencer à penser que si. Bon, les amis, tout est réglé. Je vais commander à manger. Au restaurant Burger, nous regarderons un film sur cet écran. Je vais tout préparer. Tout d'abord, je vais allumer la télé avec cette télécommande. Voyons ce qu'il y a. Oh non! L'écran ne marche plus. C'est incroyable. Je vais devoir appeler un réparateur. Je vais chercher sur internet le numéro d'un réparateur d'écran. Mais non! L'ordinateur ne marche pas non plus. Aujourd'hui, rien ne va. Qui va bien pouvoir m'aider désormais? Bonjour, tu as besoin d'aide? Oh, mais qui es-tu? Je suis la fée protectrice de la ville Pinipomme. J'ai entendu que tu avais besoin d'aide et me voilà. Oh, quelle chance! Bon, je t'explique. Alors, chère marraine, je ne suis pas ta marraine. Je suis juste la fée protectrice de la ville Pinipomme. Oh, pardon, fée protectrice. Je t'explique. Je me suis réveillée contente. J'ai arrosé mes plantes, mais un chien les a mangées. J'ai rempli ma salle de bain de mousse. J'ai préparé un barbecue et tout a brûlé.
Je suis allée dans la cuisine et il n'y avait plus rien dans mon frigo. J'ai cassé le miroir de ma chambre. La télé ne fonctionne pas. L'ordinateur non plus. Attends. Qu'as-tu dit ? Tu as cassé le miroir de ta chambre ? Oui, mais c'est un miroir assez vieux que ma grand-mère m'avait offert. Il n'a pas grande importance. Bien sûr que si, ça a de l'importance. Ce miroir est un miroir magique, offert par les fées à ta grand-mère. Nous devons trouver une solution au plus vite, sinon tu auras 7 ans de malheur. Oh ! Alors, la superstition est vraie ? Oui, mais seulement avec ce miroir, car c'est un miroir magique. Avec les autres, cela n'arrive pas. Ah, d'accord. As-tu tous les morceaux de verre ? Oui, tout est au sol. Comme je n'avais pas le temps de tout nettoyer, j'ai fermé la porte et tout y est encore. Parfait, j'y vais. Abracadabra ! Que le malheur disparaisse ! Oh, super ! Avec l'aide de la fée, tous les problèmes se sont résolus. Merci beaucoup, fée marraine. Sans toi, tout cela n'aurait pas été possible. Je ne suis pas ta marraine, je suis la fée de la ville. Et maintenant, va vite ouvrir à tes amis qui sont en train de sonner à la porte. Mais personne n'a sonné. Ah ! Que ferions-nous sans une fée marraine... une fée protectrice de la ville ? Salut les amis ! Bienvenue dans ma maison ! Et ils passèrent une superbe après-midi. Ils prirent à manger dans le frigo. Ils profitèrent d'un barbecue parfait et tous ensemble. Ils ont ensuite regardé un film. Et voilà les amis, cette histoire est terminée. Ça vous a plu ? Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et dites-le moi dans les commentaires. Mais surtout n'oubliez pas de nous suivre en vous abonnant. À bientôt les amis !